Eh bien salut tout le monde, c'est Ryder, j'espère que vous allez bien. Dans cette courte vidéo, je vais vous apprendre à modifier l'animation de votre timing vert. Car oui, pour ceux qui ne savent pas, on peut changer son animation de timing vert qui est sous les pieds. Comme ici on voit que c'est une onde de choc. Alors comment on change son animation de timing vert? Il en existe jusqu'à 3. Vous allez dans options, paramètres manette. Et là, ce que vous voyez affiché entre parenthèses, en fait, est une mauvaise traduction. Il s'agit de l'animation, ce qui est entre parenthèses. Donc, on a jauge plus éval, qui correspond à l'animation de base avec l'onde de choc. Nous avons évaluation. Donc, c'est des mauvaises traductions qui correspondent à ce timing vert où ça fait un espèce de splash, comme une boule de peinture qui explose. Donc, comme je l'ai dit, pour changer son animation, option, paramètres manette. Et ensuite, nous avons jauge, qui correspond à la dernière animation de timing vert, qui fait une espèce d'explosion comme vous l'avez vu. Voilà, cette vidéo était très courte, mais c'était pour vous montrer qu'on peut changer son animation de timing vert, ce n'est que visuel bien entendu, mais voilà, c'est pour ceux qui ne le savaient pas. Bonne journée à tous et à bientôt, tchuss.